pour être sûr de rester là où tu es. Parce que tu n'es pas sûr de ton chemin derrière, en fait. Tu préfères être une... comment on dit déjà? Quelqu'un de couard, quelqu'un de poltron, quelqu'un de fuyard. Tu préfères être fuyante et de ne pas te respecter plutôt que d'aller voir ce dont tu as réellement besoin. Ça vient remettre en question tout ton fonctionnement de ces 10 dernières années. De « je suis très bien là où j'en suis ». Tu te caches derrière un « je suis en transition ». Petit à petit, j'y vais. Au lieu de carrément prendre les décisions. Au bout d'un moment, ouais. Donc, soit tu y vas, soit tu y vas pas. Mais là, quand je balance ces mots dans ta structure, il y a une espèce d'armure mentale qui est là. Alors, pourquoi tu n'es pas prête à évoluer sur cette problématique? Parce que il y a de l'émotionnel derrière. Un métier n'est pas que du mental. L'éducation n'est pas que du mental. L'éducation, c'est... Et un métier, c'est un ensemble de plein de choses. Du mental, de l'émotionnel, du spirituel, du rapport au divin, du rapport aux hommes, du rapport au plan. En fait, c'est un rapport avec plein de choses. Et la somme de ce rapport-là crée le métier, crée l'éducation. Et ta manière unique de l'être. Toi, tant que tu... Ok. Qu'est-ce que je peux dire pour que tu t'arrives à poser l'émotionnel maintenant? Pas plus. Ok. Si je renvoie l'info dans le groupe... Alors... Ça me parle de déchirure. Ouais. On a priorité aux autres, pas à soi-même. La structure du groupe vibre. Je peux me plier en quatre, m'enfermer dans une boîte, me couper un bras pour l'autre. C'est une notion de sacrifice qui est très mal placée, qui est dangereuse et qui n'a plus sa place maintenant. Pourquoi on a créé ce système-là? Parce qu'on a peur de l'autre, on a peur de l'extérieur, on est prêt à tout pour ne pas vivre au quotidien, c'est-à-dire penser, parler, acter avec notre ventre, avec notre âme, avec notre cœur. On préfère acter à partir de là, à partir de nos croyances, à partir des projections de peur qui créent le monde que l'on voit. C'est un voile qui est une paire de lunettes. On a peur de l'extérieur. Voilà ce qui vibre pour tout le monde. Et cette peur, qu'est-ce que je peux dire pour la faire bouger? Qu'est-ce qu'il y a à voir de nous-mêmes? Ok, la thématique de l'enfant blessé, de la pauvre victime, de l'extérieur de l'enfant blessé, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Nous aussi, on a blessé quelqu'un. Moi aussi, j'ai blessé quelqu'un. On se pense hors d'atteinte du mal. Voilà ce qui nous coupe de notre pouvoir, ce qui nous coupe en deux, littéralement. Parce qu'on se pense du bon côté de la barrière. On se targue d'être du côté de la lumière, alors que c'est faux. Envie de dire, il n'y a pas plus sale que nous. Il n'y a pas plus arrogant que nous. Et c'est cette arrogance de nous savoir supérieurs qui peut nous servir. Parce que tant qu'on fait une négation dessus, c'est foutu. Tant qu'on fait une négation dessus, on ne pourra jamais utiliser cette arrogance qui, en fait, n'est ni bien ni mal, elle est amorale. Elle n'est ni immorale ni morale, elle est amorale. Et cette arrogance, c'est une vibration qui est là pour nous faire sentir suffisants par rapport à nous-mêmes, de moi-même à moi-même.
je suis suffisant, je suis arrogant entre moi et moi-même. Voilà l'information pour tout le monde. Voilà ce qu'il y avait à dire pour tout le monde. Pour moi, pour Mariella. Écoutez la vibration. Derrière les mots, je suis arrogant par rapport à moi-même. Parce que pourquoi c'est la solution? Pourquoi c'est l'information d'évolution à incarner? Parce que cette arrogance vis-à-vis de soi-même, c'est l'assurance de se porter l'attention, l'assurance d'avoir une densité, une présence lorsque l'on est en face des autres, d'avoir du magnétisme, et surtout de se retrouver, de se reconnaître, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour créer un environnement matériel, moral, physique, émotionnel, qui nous va bien, qui correspond à nos besoins de l'instant, du moment, de l'instant présent. Et ça, c'est un environnement dynamique qui bouge au fur et à mesure. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup pour ta question, Mariella.